رجل في الاول ذاكي تي كي 5 تقبلي تي في اون كندا نوال دا ساكن الاحد كوز ذي يبرير سين وجيمان سنه مروين ديوان اي اون مصور تي كي 5 المولود وبيزار ذاكي ذي باري قلا نوال دا ساكن الاحد ذاكي راهم راح تقدو دان فرانسيس لا بلاس دو لا ريبوبليك فرانسيز اما كني ودنا يا تيكلتنا يا الدور تيليند هكاكين يقراون ذا كينيا الساكيني ما تشطس كلان الغاشيون ما تشطس نيقراون ما والو ما تشطس كاريشن يعني لي ستوند ني اما كني توالي ميا كان الساكيني خدمن كان يول ستوند ذا كينيا وليت سيد عدن زياكا في الاول هاد وليم الغاشيون يلان اطاس ذا كينيا ما تشطاس لان ما كان دنيا ما تشطاس ثني ذا غاشي لان ذا كينيا دوك مراح نتكدو ذا سان فرانسيس ما تشطاس لان ما كان دنيا ظفر صعيد ظفر تي كي 5 تقبل تي في كندا وندنا وين يسالن سي تبنيت غار طايل ظفر تي كي 5 تنمير ثنوان غير تقولي صار طايل وندنا وين يسالن تنمير ثنوان Autrement dit, si on n'est pas capable, en mesure de défendre nos enfants, qui voulez-vous qu'on défende? Et c'est ça qu'ils veulent inscrire pour nous. Aïhin Def Ouaya Khadim Pifl Saïd Khamstachin Sana. Même dire, sauf, l'enquête, etc., c'est autre chose. Le cri de cet enfant. Le cri de cet enfant. Regardez le cri de cet enfant. Il vous interpelle. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas être humain. Lorsqu'on ne réagit pas à l'autre, ça s'appelle l'empathie. Ils veulent nous terroriser. Notre jeunesse. Même avec ça. Même had chien, had des monstruosités. Il y a des gens qui ont été des jeunes, ce n'est pas une monstruosité. Rien que tu dis un jeune de 15 ans qui aspire à la vie, je dois avoir la drogue. Les 700 kilos de drogue, nous tuons. Had des jeunes. Vous êtes droit bien comme ça, les gardes à vous à 15 ans. Il à toutes les organisations de la protection de la personne humaine. Vous savez très bien que le fondement éthique exige que nous laissons tous aider. Aïni, Varona Kadagé, El Mouzian. فعلا في ماس يعني ما نقار لي فيميجان يعني يشوفا يشوفا يا كينيا ها
عشان ما كان عندنا يوم ما كان بصل غشي قلنا نساقي يوم نلحق يا جيت ولي مكاينين يعني غير وين الا ندي هنا عندك لاني المصيون يسوغني شوفا نتمست نزمر بنيني قارن الدي ار اس تيرورستي قارن وتسقط التهمه العسكريه المخابرات الارهابيه تسقط المافيا العسكرية إرهابية تسقط المافيا العسكرية شاب شاب قصير ان ادوليسون ان انفون كي سي في فيولي dans un pays libéré par Abou Ramzan, par Kirib Belkassem, par Amirouche, par Silhouas, par Cheikh Ahdev, qui le 8 avril 1877 a organisé à Sdouk l'insurrection contre l'ordre colonial. Pourquoi je parle de l'ordre colonial? L'ordre colonial est bâti sur théorie du remplacement. Remplacer le peuple algérien par un autre peuple qui va être orienté vers l'Occident. C'est quoi les mécanismes de l'ordre colonial? L'esclavagisme, le viol, l'expropriation et l'injustice, ça, c'est le système colonial. Le système néocolonial a commencé par la violence contre le peuple algérien, par l'indépendance confisquée et l'assassinat d'Abben et l'assassinat de Chabani. Ce système d'Al-Mukhabarat, il a le sang dans les mains. C'est pour ça le génie populaire, le génie du peuple algérien avait compris et il a mis le doigt qu'il faut. Hasard des choses. Depuis que Toufik est sorti de prison et que Nzar a été ramené dans un avion présidentiel, on revient aux anciennes pratiques. On revient aux mêmes automatismes et aux mêmes mécanismes. Faire peur au peuple algérien. Ils ont essayé la violence. Ils ont essayé avec lacrymogène. Ils ont les barrages filtrants. Et maintenant, ils passent à toucher la dignité des Algériennes et des Algériens. À toucher leur intimité. C'est pour casser l'être algérien. Ce qu'a fait la France coloniale. Casser l'État algérien, le remplacer par un autre être. Et eux, ils font la même chose. Casser l'État algérien et le remplacer par un autre. Bien sûr, vous me diriez qu'ils avaient choisi à un certain moment des sous-fifres avec des appartenances artificielles. L'Algérie, à un certain moment, ils l'ont orienté vers le Moyen-Orient. Orienté vers le Moyen-Orient. Une appartenance artificielle. Al-Jazair laissait Qatar. Al-Jazair laissait Arabie Saoudia. Al-Jazair laissait Imarat. Al-Jazair laissait Turquie. Laissait Turquie. Et puis à un certain moment, ils ont essayé d'orienter l'Algérie à travers. Parlons-en si on veut.